Ouais, big up, c'est les abonnés, salut les nouveaux abonnés. Je suis en pleine livraison. Donc là, je fais cette vidéo, donc je viens de recevoir un message du bœuf. Disant que mon compte Uber a été suspendu définitivement pour ils disent activité frauduleuse répétée. Ils m'ont suspendu mon compte, ces bandes de salopes. C'est parce que je refuse d'aller chercher, livrer des commandes ou aller récupérer des commandes dans des restaurants. Ils sont éloignés et difficiles d'accès, ou d'aller leur livrer leur putain de commande de merde sous-payée dans des zones de livraison qui sont trop éloignées et trop difficiles d'accès. Donc ça, ces bandes de putes qui sont, ça leur plaît pas. Donc ils me suspendent mon compte définitivement. En plus, c'est le problème des clients lorsque les zones sont trop éloignées ou que j'ai plusieurs commandes à récupérer en même temps. Les clients vont se plaindre à la plateforme pour se faire rembourser. Et c'est moi qui va être sanctionné pour ça. Et donc. Voilà, les gens, c'est des putes. On prend des risques pour livrer vos putains de commandes, bande de sales chiens. Hein, j'ai déjà eu des accidents, on prend tous les risques pour vous livrer au plus vite. Et quand on vous livre, ils ne sont pas encore contents, ces bandes de bâtards, alors qu'on est payé 3 euros, 4 euros la course. Je vais vous dire, j'ai qu'une envie quand j'arrive, c'est prendre votre putain de commande et je vous la balance dans votre gueule. Voilà, donc Uber, c'est terminé. Tout ça de se faire enculer. De toute façon, c'est comme pour les chauffeurs VTC qui se font licencier du jour au lendemain. C'est des putes. Uber, c'est une plateforme de sales salopes de putes. Je ne vais même pas m'emmerder à aller leur faire un procès, à aller contre au tribunal. Je ne vais pas m'engager dans ce bois-là. Tout ça de se faire enculer. Le service de merde. Je ne prends pas les coups.